Alors, on revient au sujet qu'on a évoqué il y a quelques instants, au dossier relations entre l'UMP et les centristes. Marie-Ève. On assiste actuellement à un rapprochement entre François Bayrou et Jean-Louis Borloo. François Bayrou, vous êtes un des UMP qui s'entend bien avec lui. Donc, c'est une bonne chose qu'il revienne un peu au bercail. Oui, oui, certainement. Je crois qu'il s'est imaginé qu'il pouvait faire des choses avec François Hollande et qu'il a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc s'il rejoint sa famille, sa grande famille dans l'opposition, moi je pense que c'est plutôt positif. À partir de là, comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'il faut, dans l'opposition, un parti qui ne soit pas dominant, j'aime pas ce mot, mais qui ait vocation à rassembler largement la droite et le centre. Donc voilà, que les partis centristes existent, c'est très bien, mais que l'UMP ne s'affaiblisse pas. Mais François Bayrou, il rejoint. Il se rapproche du centre, mais il n'a pas rompu. Il se rapproche pas du centre droit. Il dit pas je réadhère à la droite. Il veut être indépendant. Est-ce que c'est pas un souci pour vous ça ? Non. S'il est au centre, il n'est pas à gauche. Le centre est à droite ? Pardon ? Le centre n'est pas à gauche. Il n'est pas à gauche. Moi, nous nous battons contre un parti socialiste et des alliés qui sont souvent très extrémistes d'ailleurs. Donc c'est clair. Et il y a place, que... et il y a place pour le centre dans l'opposition. Donc vous êtes candidat à la mairie de Bordeaux. On se demande si François Bayrou ne va pas être candidat à la mairie de Pau. Vous lui conseillez de l'être. Est-ce que vous pourriez le soutenir ? Ça, c'est son choix, mais s'il est candidat, je le soutiendrai. Vous le soutiendrez pourquoi ? Parce que je pense qu'il vaut mieux un maire comme François Bayrou qu'un maire socialiste à Pau.